Allô, pas? C'est Monsieur Jack à l'appareil. Oh, je suis désolé d'interrompre ta chasse au trésor, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tous les ans à cette période, l'Académie organise un voyage scolaire en collaboration avec un autre établissement. Eh bien, croyez-le ou non, tu as été sélectionné pour y participer. Le voyage scolaire se déroule à Septentria, une contrée lointaine située à l'est d'ici. Comme le voyage est long, nous avons sélectionné qu'une poignée d'élèves. Tu te rends compte de la chance que tu as d'en faire partie? Je t'invite à te rendre au hall d'entrée de l'académie pour en savoir plus. Bien entendu, rien ne t'oblige à y aller, mais cette occasion ne se représentera peut-être pas. Alors, si tu es curieux, je te conseille vivement d'y prendre part. Sur ce, je te laisse, à bientôt. Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Paradox, c'est un surtout pour ce tout nouvel épisode de l'aventure sur Pokémon. Ça fait super longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour du Pokémon Violet. On se retrouve pour Pokémon, du coup, Violet, débuter le premier épisode du nouveau DLC, du premier DLC, qui s'appelle, Pokémon Violet. C'est Violet DLC. Comment il s'appelle? La zone 0? Ça doit être ça. Bon allez, on perd pas de plus de temps, on va rejoindre Monsieur Jacques, pour directement partir en direction de la nouvelle zone, la zone de DLC. C'est parti. Est-ce qu'on le fera temps pour temps? Je pense. Tenez qu'en plus on a ça. Vous voyez pas? Non, vous voyez. Si. Voilà, c'est l'autre Twitch. La Twitch avec laquelle on a fait tout le let's play. Donc bon. Ne perdons pas de temps. C'est parti. Une petite seconde. Tu ne serais pas... Tu fais partie du groupe sélectionné pour participer au voyage scolaire. Comment t'appelles-tu déjà? Mais oui, pas. Je suis ravi de rencontrer un élève aussi poli que rayonnant. Tiens, tu possèdes une orbe de terre cristal? Je constate que les élèves de l'académie de Paldea ne manquent pas de ressources. À moins que tu sois un élève particulièrement exceptionnel. Oups, je parle. J'ai un petit mot à présenter. Je suis... Madame Bria, veuillez excuser mon retard. Oh, pas. Quelle chose pour toi d'avoir l'occasion de partir en voyage scolaire alors que tu n'es qu'à ta première année à l'académie. Je t'invite. J'aimerais bien y aller moi aussi. Oh, pardon, Madame Bria. Où en étais-je? Ah oui, je suis Madame Bria. J'enseigne à l'Institut Myrtille. C'est une école située dans la région Tunis. Madame Bria y occupe un poste de responsable. Quoi? Comment ça, Tunis? Je sais pas quoi, ça! Occupe le poste de responsable pédagogique. Cette année, notre établissement qui prend en charge les élèves. C'est notre établissement qui prend en charge les élèves et j'ai fait le déplacement pour venir vous chercher. Septentria est célèbre pour ses rizières qui façonnent les paysages. C'est un lieu perdu dans la campagne mais qui regorge du mystère, tu verras. On y a d'ailleurs détecté une énergie identique à celle qui se manifeste lors de la terracristallisation à Paldea. J'ai personnellement hâte de pouvoir étudier tout cela de plus près à l'occasion. Même si, entre nous, je rêve surtout d'explorer le fond du cratère du cratère de Paldea. Vraiment? C'est-à-dire, sans l'accord de Monsieur Clavel ou de la Ligue, je...
Bien sûr, je suis tout à fait au courant des règles. J'ai d'ailleurs déjà fait la demande et j'espère obtenir une réponse bientôt. Une réponse positive, cela va sans dire. Oh pardon, pas. Je t'avais complètement oublié. Je pense que tu l'as compris, ce voyage est une occasion unique d'étendre ta chasse au trésor au-delà de la frontière de Paldea. Montre-moi ton Moti Smart. Je vais mettre à jour ton Pokédex. Vous avez désormais accès au Pokédex de Septentria. Et voilà! Maintenant, tu vas pouvoir y enregistrer tous les Pokémon de Septentria. J'ai également reçu l'autorisation de ta mère. Tu peux donc partir à l'Esprit Saint. Amuse-toi bien. J'espère qu'il y aura des nouvelles tenues. Enfin, qu'il y aura pas mal de nouvelles tenues parce que bon. C'est vrai que j'aime beaucoup Pokémon Violet, mais je trouve qu'au niveau des tenues, un peu langué. Ah, ton professeur a l'air si honnête. Ça lui donne un certain charme. Bref, j'espère que les longs voyages en avion et en bus ne te font pas peur. Préviens-moi quand tu seras prêt à te rendre à Septentria. Bah, je suis prêt. On y va. Une cinématique pour le voyage? Merveilleux. Nous partons quand tout le monde sera réuni. Apparemment, les membres du voyage ont été sélectionnés par tirage de force. Vous aurez donc l'occasion de te faire de nouvelles connaissances. Mon rôle est de vous accompagner, mais entre nous, je compte profiter du séjour moi aussi. À ce propos, connais-tu le livre violet? Oui. Oui, on l'a. On l'a pu, techniquement, il est dans le futur maintenant. J'ai redouté, après tout, c'est un ouvrage du siècle en matière de paranormal. À vrai dire, l'auteur de ce livre, Bruyère, en a fait. Et en fait, mon ancêtre. D'ailleurs, je possède encore le manuscrit original. Mogué. Pourquoi pas? C'est chelou, mais pourquoi pas? Tu vois ces pages? Elles étaient pratiquement illisibles dans la version publiée du manuscrit. Un Pokémon 10. Il semble avoir fait une étrange découverte au fond du cratère alors que j'étais séparé du reste du groupe. Était-ce un Pokémon? Était-ce même vivant? Je n'en suis pas certain. Sa carapace constituée de plusieurs couches d'hexagones scintillait encore plus que des joyaux, et sa forme évoquait un disque. J'ai décidé de donner un nom provisoire à cette créature, Terrapagos. Je soupçonne que son corps est composé de la substance même qui permet aux Pokémon de se cristalliser et de briller. Sur l'illustration, c'est Terrapagos. Bruyère raconte qu'il aurait rencontré ce Pokémon mystérieux dans un lieu enfoui encore plus profondément dans la zone zéro. Malheureusement, personne ne l'a jamais cru. Je rêve de découvrir Terrapagos et de prouver que mon ancêtre avait raison. Mais pour cela, il faudrait que j'obtienne l'autorisation d'entrer dans la zone zéro. Nous on l'a. Bref, laissons tout ceci de côté pour l'instant. Je dois me concentrer sur la tâche qui m'a été confiée. Madame Bria, on est là. Nous sommes au complet, parfait. Sur ce, en route pour Septentria. Alors, oh, le trésor enfui de la zone 0. Bon, bah voilà, on a le titre. Allez, c'est parti pour volume 1, le masque turquoise. Le premier DLC.
On est enfin à Septentria. Youpi. D'abord l'avion, puis le bus. J'ai les fesses en compote à force de rester assis. Ah. C'est vrai que le voyage a été long. Nous n'avons oublié personne, tout le monde est là. Non, moi je suis tombé. Oh, une dame. Très bien. Tout d'abord, bienvenue à Septentria. C'est ici que se déroule... que va se dérouler votre voyage scolaire. Oh, c'était vrai, Axoluto. On n'a pas Yanma. Trop bien. Pour tout vous dire, c'est la première fois que je viens ici et le cadre a de quoi surprendre. Admirez ce paysage champêtre, il est vraiment éblouissant de beauté. Là-bas, c'est... Jadrode. Le village qui servira de base pour nos activités. Madame, je me sens pas très bien. Oh, il a le mal du pays. Non. Serait-ce dû au mal du transport? Faisons une pause. Nous en profiterons pour admirer les rizières. Para, puis-je te parler un instant? J'ai une faveur à te demander. Peux-tu te rendre au centre culturel de Jadrode pour prévenir l'imminente l'intendante de notre arrivée? Dis-lui qu'un élève ne se sent pas très bien. C'est comme si c'était fait. Merci, je compte sur toi. Pendant ce temps, je vais rester et m'occuper de lui. Bon. Voilà la zone, les amis. Mince. Oh. C'est ce que je veux. Le Pokédex de Septentria. Bon, voilà, il y a comme pas mal de Pokémon qu'on a. Bon. On va prendre ça déjà. Ok. Ok. Bon, il nous manque en soi pas des masses de Pokémon, mais bon, il nous en manque. C'est ça. On connaît ça. On le connaît lui. Je connais même plus mon équipe, encore ouais. Attendez. Alors déjà on va le capturer. Et donc déjà bon bidon on n'a pas. Bon attendez, et puis on n'a pas notre équipe qu'il faut. Bon bidon. Bon attendez, on va se casser, on va prendre une autre vraie équipe. Ok, attendez, par contre je sais plus vraiment jouer. Donc voilà le contenu téléchargeable qu'on a fait. Alors du coup. Qu'est-ce qu'on prend? Je vous rappelle qu'on a quand même Mirai nous. Oui, en passant. Donc on a nos trois starters qui sont là. Tac. Et après je sais plus qui c'est moi. C'est mon équipe. Je me souviens plus de l'équipe moi. Là. Une garde de fer. Ça peut être sympa. Garde de fer, ça peut être sympa. Après, c'est vrai qu'on a eu. J'ai besoin. Un feu, on en a. C'est vrai que ça peut être sympa de voir lui. En ténèbres. On fera... Ah ouais, après, c'est ténèbres, on en a déjà un. Bon, en vrai. Bon, c'est une équipe provisoire, mais bon.
Il est où? Il est où? Ah, ou alors il y a lui aussi. Ouais, mais il est niveau 13. Lou, Mirailon. Voilà. Wow. Parfait. Bon. On va pouvoir capturer du coup notre notre ami. Bon du coup voilà, pour l'occasion j'ai changé la cam. Bon tu vas rentrer dans une hyper par contre, tu vas pas m'embêter. Bon bah on gère déjà Ah bon bidou de capturer. T'auras pas dû aller longtemps. Ouais, il vient avec nous. Bon bah du coup toi je vais t'en mettre en mode mon tueur. Ok. Ah, c'est vrai qu'on court tout seul dans ce jeu. Tellement du bien. Oh, des Medina! Je vais être comme un fou, les gens. Je vais être comme un fou, je sens. C'est quoi qui court là derrière? Mais Dina c'est bon comment ça? Medina. Niveau 18, ok. Il y a tellement de trucs. Je vais faire un truc. Au niveau du sac, on a quoi? Non, on va commencer gentiment à faire des petites évolutions. Hein. On a que des bonbons, elle. Ok. Tac, et puis on va prendre... Oh, j'en veux pas de toi. Tac. Alors c'est DLC, je viens de démarrer, calmez-vous, pour le moment il n'y a rien du tout. On t'a capturé tout ou pas? Ouais, non, tu connais pas. On vient de démarrer, on vient d'arriver dans la zone. Pour le moment rien du tout, plutôt DLC. Pour le moment capture en main. Je sais pas s'il y a des Pokémon exclusifs. Ouais, je pense qu'il y en a. Entre Pokémon Écarlate Violet, Larveillette. Mince. Non. Non, pas de Medina qui a bugué. Le sprite de Medina qui a bugué. Il est où? C'est comment qui s'appelle? Larveillette, on a dit. Pareil. C'est vrai qu'on est... C'est vrai que... Bon, notre team de niveau 30, je sais pas si on va les garder. Pour le moment, on la garde, mais bon. Pas dit. Ouais, tu vas aller voir aussi au niveau du... Je vais voir en fait s'il y a des Pokémon exclusifs. Je vais faire que ça. Vous me connaissez. Je veux capturer tout le monde.
L'arveillette. Niveau 20. Oh, Mingal, c'est le premier, ok. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est... Attendez, c'est un... Fenard, on connaît pas. On connaît Fenard ou pas? On va peut-être pas, on va peut-être pas le tenter tout de suite. Calmons-nous. Bon, lui on l'affronte. Allez, on l'affronte. Allez, premier combat de cette nouvelle région. On prend un accueil. Ça aurait passé. On est niveau 100. Est-ce que... Je pense que je vais m'autoriser à quand même garder les Pokémon de mon... Enfin, ces Pokémon là. Je pense. Je pense, honnêtement. Sauf si on donne des Pokémon... Enfin, sauf si on a des Pokémon iconiques. Là, j'utiliserai. Oula. Hop, Rakaïou, ça dégage. Je suis en retard, Rakaïou dans le petit ajouté dans le petit Dex. Je connaissais vraiment pas Rakaïou. Une blague. Je crois que non. Je crois que non, on connaissait pas... Je crois qu'on connaissait pas, mince... J'ai plus mon... Rakaïou. Bon. C'est pas le tout, c'est que je crois qu'on a une quête à faire. Comment est-ce qu'on ouvre la carte? Je crois que... D'accord. Comment? Jamais, j'ai vraiment jamais fait ça. Vous pouvez faire ça de base. Je suis en train de découvrir un truc. Je ne savais même pas. Ok, bon bref. Tout ça pour dire, moi je vous vois la carte, comment est-ce qu'on fait? Comme ça? Il y a que c'est comme ça. Ah mais non, je crois que c'est X. Oui bah ça on sait. Ok, donc faut qu'on aille... Oh, faut qu'on suive là, faut qu'on suive en fait. Ok, non. Comme ça, ok. Y pour ouvrir la carte. Ok. Donc on va vite fait capturer un Yanma aussi. Allez, on va capturer Yanma. On se trappe. Bon allez, rentre dedans. Non, viens pas m'embêter. S'il te plaît.
Ah oui, mais t'as cherché aussi. T'as cherché. C'est quoi là? Juste une boule. Machination. Toi, tu veux rentrer sans faire d'histoire? Oh là là, les bugs de texture qu'on a encore. Les gens vont gueuler. Et... Bon, allez, rentre. J'utilise un rasteur. Je plaisante. Calmez-vous. C'est bon, tu l'as tué, tu arrêtes. Bon, t'as fini? À 70. On va pas le tuer. Ah bah si. Ah bah si, ça le tue. Les Pokéballs. Bon, vous allez rentrer, vous, là, les Gannois? Vous m'embêtez. Et Kayenman, ne l'oublie pas. On a perdu, il y a un mec qui est totalement figé derrière. Ouais, ça. B plus bas, allez! Bon, ça marche pas. Bon, tu m'énerves, petit Yanma. Qui m'embête. Parce que moi là pour le coup il m'embête vraiment. Niveau 36. Tiens, mais on va attendre à publier. Ah, on est vraiment en train de se faire emmerder par les Yanma.
Voilà! Purée! C'est trop lourd. Mais à quoi pour dire Absoluto? On l'a! Attendez. Attendez. Est-ce qu'on a Absoluto? Oui. Mais on n'a pas cet Absoluto là. Et pour autant, je suis pratiquement sûr que... Absoluto. Quoi? Vraiment pas d'Absoluto? Non, les actions, je peux pas le dire. Ok, chelou. Ok. Oh, attendez, par contre... Là, il y a des choses à récupérer. L'argent, on s'en fout. Oui, des trapins. Réveil. Oui, crapince. Je ne sais pas. Bonjour. Je viens de pas le dire, pas vrai. Je crois. Il me semble. Ah, Zo. Pas cool. Il y en a un des crapins derrière. Non. Un corillon, pardon. Dégage ici. Comment t'es battu? T'es battu. Par un moment, ouh, le petit ralentissement qu'il y a quand même. Tant pis, il y a plus petit de mon cœur. Oh, c'est relou. Tout le crapins là-bas. Tac. Et quoi, pardon. Oh, et où? Oui, j'ai fait une attaque sur un trou.
Ah bah ça suffit à le buter. Le but justement c'était pas de le buter. Bon bah. Hein. Je pense qu'on en reverra de toute façon des crapins et des Pokémon de base comme ça. Comme du bas étage. Bonjour. Oh, regarde. Tu es un élève de l'Académie de Paldea, c'est ça? Oh cool. Cassiche. Je m'appelle Rosalie. Je peux pas laisser un inconnu entrer dans mon village. Pas de bol, hein. Tu veux passer? Alors, bats-toi contre moi. Tout ça parce que t'as envie de te battre. Pas cool, Rosalie. Car j'ai dit... Tu peux ignorer mon petit frère, il dit n'importe quoi. Allez en place. Mais... Faut pas soigner mon Pokémon d'abord. Bon, après on va t'éclater quand même, peut-être qu'on va être niveau 100, mais bon. Je vais lui montrer comment on accueille les intrus ici. J'aime bien tes yeux. Ta coupe par contre qui finit en croix sur le nez, je suis pas fan. Il faudrait voir tes cheveux. Tu m'enlèves ça et puis j'adore ce perso. Bienvenue à Septentria. Pour commencer, tu vas mordre la poussière de notre belle région. Allez, un millénormand. Ça va pas être compliqué les gens. Ça va pas être compliqué. Goupix. Il est beau Goupix. Suivant. On va les éclater. Oh. Je savais pas ce que même par contre. Même d'air. Ça passe. On va pas. Il y avait des coups sur le toit. Mais comment c'est possible? Oh, t'as battu ma soeur? J'ai la haine. Je suis super fort pourtant. En fait. T'as tout juste un moyen, ça passe. Mais tu peux mieux faire. Bon allez, on va dire que tu peux entrer dans le village. Mais par contre, c'est moi qui commande vu. Nom d'une pipe, qu'est-ce qui se passe ici?
Et c'est reparti. Allez, viens. Viens, Cass, on se barre. Rosalie, attends-moi. Bonjour, mon petit. Tu veux être un élève de l'académie, je me trompe? Je suis l'intendant du village. Je m'occupe un peu de tout ici. Et c'est moi qui suis chargé de vous accueillir. Ces deux petites racailles vont chercher une oise. Ils sont vraiment intenables. Surtout Roseille, pardon. J'appelle Roseille tout à l'heure, maintenant c'est Roseille. Cet enfant a toujours été difficile. Je suis navré qu'elle t'ait causé des soucis. Comment? Un élève est malade? À l'arbus, s'apprête-t-il. Je vais de ce pas à son secours. Quant à toi, mon petit, attends-nous à l'entrée du centre culturel. C'est le bâtiment juste derrière moi. A tout à l'heure. Ok, deux secondes, je vais soigner mes Pokémon. Nouvelle statue disponible. Oh, regardez l'infirmière Joël, comment elle a changé. C'est pas la même. Pour une fois qu'il la change, c'est cool. Bon, allez. Par ici, tout le monde. Merci d'avoir transmis le message à l'intendant par. Ton camarade va déjà beaucoup mieux. Alors, où étais-je? Ah oui, derrière moi se trouve le centre culturel. À l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour vous loger pendant votre séjour. En principe, les élèves de l'Institut Myrtille devenez d'ailleurs vous rejoindre, mais le centre sera finalement réservé à l'Académie Raisin. Après tout, c'est normal, les élèves de l'Institut Myrtille sont à l'eau, sont originaires de ce village. Ne restons pas là, suivez-moi à l'intérieur. Je vous en prie, entrez, hop hop hop. Vous pouvez garder vos souliers. Pourvu qu'ils ne sont pas trop sales. Lavez-les au robinet près de l'entrée. Oh, regardez le corillon. C'est mignon. L'intérieur est joli, n'est-ce pas? Le bâtiment n'a rien à envier aux grandes villes. Il est neuf et équipé des dernières technologies. Oh. Ici, c'est le coin des tentes où vous pouvez regarder la télé ou papoter à la bonne franquette. La cafétéria est là-bas et les toilettes sont ici. Si vous voulez faire un somme, utilisez les chambres du fond. Il y en a assez pour tout le monde. Vous n'aurez donc pas besoin de les partager. Bien, je pense avoir fait le tour. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez à la dame de l'accueil. Merci infiniment pour cette petite visite guidée. Allons les enfants, un petit mot gentil pour ces personnes qui nous reçoivent chaleureusement. Sans des politesses, ça fait chaud au cœur. Profitez du séjour et faites comme chez vous. Je suppose que ce long voyage vous a fatigué. Il est encore un peu tôt, mais je vous propose de dîner dès maintenant. Nous vous avons préparé un festin, et il y en aura pour tout le monde. Génial! Soir, c'est quartier libre, mais attention, les activités de voyage scolaire commenceront dès demain matin. Essaie donc de ne pas te coucher trop tard. Bien les amis, j'espère en tout cas franchement et sincèrement que ce premier épisode du DLC du disque Indigo vous aura plu.
Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de notre aventure. Si cet épisode vous a plu, vous savez quoi faire. Pour le retour de Pokémon, on mitraille les likes. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche pour être informé par notification dès qu'une vidéo sort. Vous pouvez également partager la chaîne, la vidéo à vos amis pour que ceux-ci puissent me découvrir et pourquoi pas s'abonner. Merci à tous ceux qui le font. C'était pas. Salut tout le monde. Allez, ciao. Bye bye tout le monde. Salut. Bye.